Ici Thierry Margoulin en direct du QG des forces aériennes françaises où le général de l'armée de l'air est en train en ce moment même de détailler le résultat des frappes. Alors là ça a fait boum, là ça a fait boum, et là ça a fait boum. Des questions ? Est-ce que des installations stratégiques ont été détruites ? J'en sais rien moi, c'est tout petit, en plus c'est tout gris, on n'y voit rien. Le président s'est dit très satisfait de ces résultats. La semaine commence sur une vieille odeur d'égout, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est lui! C'est le petit toutou fidèle de François qui vient me demander un coup de main parce que son petit neveu il trouve pas d'emploi. Oh, ben les temps sont durs, mais t'inquiète, on va dépanner, hein, on pourrait lui filer un petit poste, planqué quelque part. Un truc qui servirait à rien, un truc où on verrait même pas s'il est là ou pas, t'es sénateur, voilà. Mais bon, on a d'autres trucs à branler. Techniquement, on est toujours en guerre avec la Libye. Alors bon, pas de panique, hein, tant que les chameaux volent pas, on risque rien de l'armée libyenne. Mais bon, quand même, ça fait pas propre. De toute façon, on a accompli une partie de la mission. Hein. Après plusieurs semaines de bombardement, les camps tenus par le califat djihadiste sont en ruine, leurs puits de pétrole sont en feu, et les réfugiés fuient par milliers dans le désert sans eau ni nourriture. Ha ! Encore une mission réussie pour Démocratie Man. Bon, après je pense malheureusement qu'il va falloir arrêter de s'amuser. Hein. Les bobos sont dans la rue. Et nous, les bobos, ben, vous savez, au gouvernement, on flippe. Hein. Non mais je veux dire, ça commence par une marche sur la paix, et si les choses dégénèrent, bientôt ils vont créer un hashtag. On a des grandes marches pacifiques pour la paix dans les rues de Lyon et une mobilisation des twittos. Sérieusement, des marches pacifiques. Mais laissez ces pauvres terroristes tranquilles, enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ah, on est vraiment devenu un pays de chiffmolles. Bref, je finis de nettoyer les dernières crottes sur le sol avec quelques derniers bombardements par-ci par-là, hein, pour faire propre, et puis c'est marre. De toute façon, il y a le président du Parti Socialiste qui vient me dire que les primaires vont bientôt commencer. Et avec 16% de popularité seulement, on est sûrement le meilleur président possible pour se faire élire. Du coup, pas le choix, faut terminer la guerre pour commencer à promettre des trucs aux gens. Mes chers compatriotes, c'est après une intense réflexion et de nombreuses consultations que j'ai décidé, en conscience, de me présenter à l'élection présidentielle. Une fois encore, je vous demande de m'accorder l'honneur de conduire le destin de notre nation. Bah là on va se marrer, j'adore les élections. Et plus encore en fait, j'adore les réélections. C'est comme avoir eu une femme, l'avoir trompée pendant 5 ans avec toutes les putes du pays et retourner la voir après pour dire qu'on a changé. C'est un défi, et j'adore les défis. Heureusement on a pas mal de marge, hein. Moins de 2% de déficit, et ça nous donne assez de mou pour gagner des points dans les sondages. Alors on va faire des cadeaux, construire quelques salles de théâtre et 2-3 musées pour planquer les copains, pour gagner des soutiens. Pour commencer, les allocs. Jusque là, rien n'était versé aux familles pour avoir un seul gamin. Je décide de changer ça en offrant quelques dizaines d'euros. Bon, c'est pas grand chose, soyons clairs, mais ça fera le point gratuit. Hein, pareil pour les logements insalubres, je demande à François de lancer une gigantesque opération de réhabilitation sur tout le territoire. Et ça marche! Point par point, on commence à remonter. Alors, j'oublie pas l'international, évidemment, hein. On a un bon contact en Syrie qui vient de nous proposer d'assassiner le président syrien. Pourquoi pas après tout, hein. Tu sais, jeter un cocktail Molotov dans une maison en feu, ça change rien. Malheureusement, ça donnera rien, le mec s'est foiré. Mais bon, heureusement, rien ne permet de remonter jusqu'à nous. Mais bon, de toute façon, je comptais mettre l'international de côté pour quelques temps. Après, ça veut pas dire qu'on oublie, hein. On bombarde comme ça, de temps en temps, pour rappeler qu'on est là, mais bon. De toute façon, leur pays, c'est une poubelle, personne fera la différence entre avant et après les bombardements. Bref, on doit se concentrer sur les élections. En ce moment, c'est les primaires dans tous les partis, alors tout le monde se dispute dans les journaux, ça nous laisse un peu de temps pour monter la pente. Et avec 13% d'opinion favorable, je peux te dire qu'on part de loin. C'est simple, tout le monde est devant nous. Les écolos, les communistes, les révolutionnaires, la droite, l'extrême droite, et même le centre, putain, la honte. Nos trois adversaires principaux, cela dit, c'est eux. Guillaume Comazzi, du Parti Français de la République. C'était l'ancien président avant nous. D'après les services secrets, c'est un vrai petit pimousse, une boule de nerf, le pouvoir lui manque. Enfin, ça et l'immunité présidentielle, hein. Ce mec, il a tellement de casseroles au cul qu'il pourrait ouvrir à la foire-fouille. Le deuxième, c'est lui, Jacques Loiseau. Alors, je sais pas trop qui c'est, je vais gérer ça plus tard. Hein. Et la troisième, c'est Martine Le Guéven, la patronne du parti de l'extrême droite. Tout le monde passe son temps à lui chier dessus à la télé et tout le monde lui pique ses idées. En même temps, son programme, il est simple, hein. C'est la faute des autres. C'est facile à retenir. Et puis à nous. Bah, c'est sûr, hein. Là, on est loin dans les sondages, mais bon, nous, au moins, on a des résultats. Hein.
Les gens, ils ont beau chialer parce qu'ils auront moins de temps dans leur retraite pour mater Thalassa et qu'ils pourront plus acheter leur antidépresseur sans casquer, mais en attendant, depuis qu'on est là, il y a des résultats. La croissance, elle a triplé, le chômage, il est à 7%, alors je continue ma recette. Plus de contrôle pour les branleurs. Plus de contrôle pour les branleurs et plus d'aide pour l'emploi des jeunes. Oh, on est revenu à 2,14 de déficit. Putain, ça coûte cher ces conneries. Hein. Heureusement, ça sert. On a repris presque 10 points dans les sondages depuis l'annonce des résultats économiques. Sans compter la bonne nouvelle venue de l'étranger, là. On vient de liquider le chef du califat djihadiste en Libye. 34% d'opinion favorable. Ah bah merci les assassinats ciblés, hein. Eh, on est revenu dans la course. J'en profite d'ailleurs personnellement pour aller démarcher un par un les intellectuels, les sportifs et les personnalités publiques pour les pousser à dire du bien de nous. Et pareil dans l'autre sens d'ailleurs, hein. Visiblement, je vois qu'il y a un humoriste qui est assez connu et qui aime bien nous chier sur la tête. Mais pas de problème, j'adore la liberté d'expression, moi aussi. C'est pour ça que je vais lui coller les services secrets au derge d'ailleurs, pour qu'il révèle à la presse qu'il aime bien se déguiser en lapin et prendre des bananes dans le cul. J'adore la liberté de la presse. Allez, courage. Plus que 4 personnes devant nous. 2 mecs de droite, 2 mecs d'extrême droite. Après bon, quand les primaires seront finies, de toute façon, il n'y aura plus que 2 candidats devant nous. Et puisqu'on est dans les services secrets, j'en profite aussi pour coller une enquête au cul de tous les autres candidats. Après tout, s'ils avaient un ou deux squelettes dans le placard, hein, et que ces informations tombaient par hasard dans une enveloppe qui atterrirait malencontreusement sur le bureau de mes potes journalistes... C'est la vie, hein. D'ailleurs, j'en profite aussi pour tripler les budgets de l'espionnage politique. On va engager plein de nouveaux espions. Quoi? J'embauche des fonctionnaires, vous allez pas me faire chier? Et puis en plus, c'est utile, regardez donc les premiers résultats qui tombent. Ce petit cachotier de Guillaume Comazzi, il a fait voter les morts. Jean Jaurès et Napoléon qui ont voté pour lui, le vilain petit canard. Eh bien, je vais garder ces informations bien au chaud dans un joli petit carnet sur lequel je vais dessiner des petits ballons et des licornes. Heureusement, à la fin du mois de janvier, c'est plutôt passé tranquillement, ce qui nous laisse le temps de préparer notre programme. Bon, on a eu quelques émeutes à Paris à cause d'un match de foot, on a arrêté des centaines de gens que notre splendide ministre de l'Injustice a immédiatement relâché. Mais parce que vous savez, ils y sont pour rien, ces jeunes. C'est la société qui les pousse à brûler des voitures et casser des vitrines. Quand on sera revenu au pouvoir, je te foutrai tout ça sur l'autoroute à casser des cailloux, moi. Cela dit, je sais pas qu'est-ce qui a été le plus difficile à regarder cette semaine. Les émeutes à la télévision ou le discours de François Hollande sur un marché. Moi, j'avoue que le deuxième m'a donné envie de pleurer. La défense du pouvoir d'achat demeure au centre des préoccupations du gouvernement. Car enfin, comment s'offrir toutes ces bonnes choses si l'on peine à boucler son budget? Je ne peux... évidemment pas promettre à tous du caviar, mais je vous assure que certains pourront en manger davantage. Il faut que je fasse réélire ce truc. C'est plus un défi, là, c'est de la magie. Les premiers résultats des primaires commencent à arriver. Ça commence par les petits partis, hein. Vous savez, ceux qui espèrent juste faire assez de votes pour récupérer des subventions. La Ligue révolutionnaire, c'est Amélie Davot qui succède à Xavier Besancenat. J'ai pas vraiment peur de l'extrême gauche. De toute façon, le jour du vote, ils seront trop défoncés pour aller voter. Non, il faut se concentrer sur la droite et l'extrême droite. Ce qui est sympa, par contre, c'est que tous les candidats pour la droite ont des gros dossiers judiciaires au cul. Comme a dit, il avait fait voter les morts. Jacques Loiseau, lui, c'est plutôt la magouille immobilière. Il suffit juste d'appuyer sur le bon numéro et hop, nous voilà en duel avec l'extrême droite. Et après, on appelle au barrage républicain. Et c'est reparti pour 5 ans. C'est parti. La police, la justice et les journalistes ont été câblés. Le scandale est en passe d'éclater, comme convenu. Ici Thierry Margoulin en direct du QG de campagne de la droite qui a été à l'instant perquisitionné par la police financière. Des informations anonymes signées d'un certain François H, visiblement un pseudonyme, ont permis de révéler une série de magouilles financières sans précédent. Jacques Loiseau, lui, aurait déclaré de bonne foi ne pas avoir eu connaissance qu'un 500 m² à Paris valait plus que 200 € par mois. C'était Thierry Margoulin pour France 3.